Hey viewers, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Old Man Journeys, notre petit voyage poétique. D'ailleurs, je me rends compte qu'en ce moment, on fait surtout des jeux poétiques entre notre let's play en cours là, qui du coup un let's play aussi poétique très calme comme ce let's play là où c'est juste un let's play plein de douceur, un let's play où on va juste voyager, profiter, découvrir, faire des petites énigmes. J'ai envie de dire ça va faire un léger contraste, enfin même un gros contraste entre le dernier let's play qu'on a fait, que c'était plutôt un let's play d'action, mais ce n'est pas plus mal, au moins on varie les plaisirs et du coup nous allons du coup continuer notre petite aventure pleine de poésie, pleine de calme. Voilà, pour ceux qui aiment juste avoir leur petite 20 minutes de petite musique, de petits mois qui se prennent dans un petit monde enchanteur, et ben continuez à regarder ce let's play. Alors, comment on va réussir à faire cette petite énigme? Alors je pense qu'il faut passer de l'autre côté. Bon, bah. Un petit peu naïvement, on va essayer d'y aller. Ok, on tombe. Très bien. À mon avis, il va falloir qu'on monte sur cette colline ici. Donc peut-être que... Voilà, en rehaussant, on va pouvoir monter. Parfait. Ok, pas de problème. Pour le coup, pas de problème pour nous. Juste à monter. J'adore, en tout cas, j'avais jamais remarqué, mais quand il monte, ça fait vraiment... Dans sa démarche, notamment, on dirait vraiment un vieux papy. Voilà, parce qu'il est tout mignon, c'est un vieux papy, il est un peu vieux. Et du coup... Dans sa démarche, quand il monte les collines, on dirait vraiment un papy qui galère à marcher. Que ce soit la façon dont il cède avec sa canne, je trouve ça super bien fait. Hop, alors là, on va pouvoir monter ici, ok, parfait. Voilà, j'adore sa façon, sa petite démarche, vous allez voir. Voilà, quand il va monter, on dirait vraiment un papy qui galère à monter, mais qui va de l'avant et qui se déchire pour avancer. D'ailleurs, un truc aussi que j'ai remarqué dans le jeu que j'adore, c'est les choses comme ça où on peut interagir avec le décor. Que ce soit, par exemple, interagir avec le héros, mais aussi interagir avec le décor pour changer un petit peu sa trajectoire. Ça, j'adore ce genre de jeu où vraiment, c'est faut interagir avec tout. Par exemple, là, bah bien sûr, on peut interagir avec le pont pour le faire avancer, ça, c'est logique. On peut interagir avec l'eau, pourquoi pas interagir avec, je sais pas, les feuilles, par exemple. Voilà, par exemple, cet arbre, je savais qu'il pouvait bouger. Par exemple, est-ce que ces grenouilles, on pourrait interagir? Oui, voilà, vous voyez, dès qu'il y a des trucs un peu spéciaux dans le décor, on peut interagir avec... Par exemple, est-ce qu'on peut interagir avec ce panneau? Non, on va pas en arrière, s'il te plaît. Ou avec cette espèce de trou, non plus. Avec la roue, là, je suis sûr qu'on peut. Oui, voilà, elle tourne. Est-ce qu'on peut interagir avec le volet? Oui, voilà, vous voyez, j'aime bien interagir avec les petits trucs, c'est rigolo. C'est toujours très sympathique. Là, je vais pas me faire avoir. Ah, ah, je t'ai eu, petit piège. Parce que là, on aurait été en face, puis après, on n'aurait pas pu revenir en arrière. Voilà, parfait. Et bah, du coup, on va pouvoir y aller. Alors là, pour le coup, pour descendre, je pense qu'on va devoir céder de la rivière, voilà. Enfin, de la chute. Voilà, parfait. Parfait, parfait, parfait. Ah bah y'a plus qu'à avancer tranquillement. Avec notre petite musique tranquillou bilou. Ça c'est une expression que j'adore utiliser, tranquillou bilou, même si ça veut pas dire grand chose. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon ça, on va le réouvrir, voilà. On peut toucher à ça, un petit goéland. Ça fait quoi si on clique sur le phare? Ouais voilà, j'en étais sûr qu'il allait se passer un truc avec le phare. Bon, là y'a un bateau. Oh, d'accord, faut bien prendre le temps d'interagir un peu avec tout. Parce que vous voyez, on peut un petit peu faire pas mal de choses. Pas mal de choses, pas mal de choses. Avançons, avançons. En tout cas, sympa le petit bateau, je l'aime bien. Allez, je me tais. Tout bonnement calme et magique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est magique. C'est des fois... Il n'y a pas besoin de voir de l'action ni de grandes histoires pour faire un bon jeu où on soit bien. Bon voilà, on en a la preuve. Une bonne direction artistique avec un peu de bonne musique, des bonnes idées de gameplay et on se sent plongé dans une ambiance calme et paisible où on se sent bien. Ah, j'ai rarement eu un jeu comme ça où quand j'y joue, je me sens mais bien, mais juste t'as envie de... d'être avec lui sous ce soleil chaud et lumineux. Alors oui, là, je viens de faire un truc parce que je m'étais demandé justement pendant que je vous parlais si on pouvait monter sur le bateau. Et en effet, j'ai bien fait tester parce que c'est possible. Waouh, avec le petit goéland qui vole. On va avancer notre trajectoire. Oh, un petit pêcheur. C'est quoi si on le clique dessus? Et il ramène un peu de poisson avec ce joli soleil. Là, l'ambiance, on y est. Ah, peut-être qu'il faut faire un truc avec les trucs. Voilà. Voilà, c'est bon, j'avais un peu compris, c'est bon, on avait bien assez vu le soleil. Je voulais juste revenir ici. Parfait.
Donc là on a vu qu'il y avait un petit pêcheur qui peut pêcher son poisson. Ça fait quoi si on interagit avec ça? Rien, rien. Pas grand chose de spécial. Ah, un petit phare, très bien. Quelque peu de volée. Allez, on va monter. Ah, un petit bond, je pense qu'il va s'asseoir dessus. Oui, voilà, j'en étais sûr. Très bien. Alors maintenant, on va falloir trouver l'élément qui va lui faire rappeler son passé. Alors peut-être que le bateau. Non, je ne pense pas vu qu'on l'a déjà utilisé. Le pêcheur, sans doute. Non plus. Les volets, bon, ça, non, je ne pense pas que ça va lui rappeler son passé. La porte, je ne pense pas. Les bateaux, ça n'a pas l'air de marcher. Le goéland, non. La lumière, non. Ah, la petite cloche, peut-être. Peut-être que ça va lui rappeler un élément de son passé. Ah, si, j'en ai. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et voilà, on le voit qui se marie avec sa bien-aimée. Mais je pense que pas, enfin dans très peu de temps, il va se passer quelque chose qui risque de tout mettre mal, parce que là le pauvre papy, il est quand même tout seul, le pauvre. Donc c'est que là tout va bien, mais je sens que c'est le calme avant la tempête. Allez, passons. De toute façon après ça tourne en boucle. Hein. Vous avez juste à faire pause et à mettre en boucle si vous voulez le revoir la scène, mais c'est vraiment des scènes qui tournent en boucle. Ok, bah très bien. Avançons, avançons. Et on découvrir la suite de notre histoire. Enfin, de l'histoire de notre passé, en gros. Voilà. Et voilà, la petite marche de notre papy, notre petit... voilà, notre petite marche, tout simplement. Oh là là, c'est joli le petit décor là au fond avec les villes et tout. Ok, donc on va prendre le train, très bien. Débarrassons-nous un petit peu de notre sac à dos. Et... hop, je vais cliquer une fois pour appeler le train. Normalement, c'est ce qui se passe. Au moment qu'il faut l'attendre. Oui, voilà. Il faut l'attendre. Est-ce que je pourrais pas cliquer avec des choses avant? Est-ce que je pourrais pas cliquer là-dessus? Non. Ah, je peux peut-être faire un truc avec le feu. J'aime bien cliquer un peu sur tout. Des fois, on peut débloquer des choses sans s'en rendre compte. Allez, mon petit papy, on rentre dans le train. Il faut qu'on prenne le train, je ne sais pas pourquoi. Pour aller sans doute dans la prochaine ville. Voilà, on y va. D'ailleurs, on voit un monsieur qui lit son journal avec une dame qui fait de la couture. Très bien. Et bah, avançons. Avançons en admirant ce splendide paysage avec une musique d'ailleurs un peu plus brute, un peu plus forte, qui fait un peu penser au train un peu. Oh, ah, je me suis pas fait voir. Oui, une musique très brute, vraiment qui va très bien avec l'ambiance, avec beaucoup de rythme et beaucoup de sonorités voilà qui reviennent comme si le train, comme un train en marche. Très bien choisi comme musique, avec des notes un peu plus claires comme le fracas un peu d'un métal. J'adore, j'adore, j'adore la musique. Ah oui, là ça fait très train, je trouve. Cette petite sonorité là, la petite note est très aiguë. Je trouve que ça fait très train. Voilà, comme la cloche. Vous voyez la musique qui va avec la cloche du train. Regardez, elles se répondent. Non, bon, là elles se répondent pas, mais avant elles se répondaient un petit peu. Oh, j'adore ce niveau. Genre, on construit un peu le chemin. J'adore le concept du jeu. Le jeu est vraiment un concept. Ça, c'est vraiment une chose si vous faites un jeu ou n'importe quoi. Travaillez votre concept et emmenez-le le plus au bout que vous pouvez. Vous voyez, on avait un concept où on pouvait bouger des collines tranquillement. Et là, ils ont décidé de prendre un train et d'avoir de reprendre leur concept, mais tout en faisant qu'en fait, on doit mettre le chemin petit à petit. Donc voilà, si vous avez des idées, quand vous créez un jeu vidéo, essayez de le pousser à bout, de le voir dans plusieurs situations différentes. Et là, c'est ce qu'ils font et ils le font très très bien. J'écoute un petit peu la musique. Il faut prendre notre temps pour écouter. Des fois, il n'y a rien à dire, juste à apprécier. Voilà. On pose le train, parfait. Et avançons. Ok, gentil petit niveau. Hein. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Avec les petits chemins qui se mettent. Surtout, admirons un petit peu le paysage. Ah. Oh, les petites voies. Des petites voix claires qui arrivent en fond. Génial. Surtout avec, voilà, on peut voir le bleu du ciel au fond. C'est génial. Hop, là, on va placer tout ça. Parfait. Avec le blanc, etc. Le bleu, les champs et tout. C'est trop cool. Ouais, mais on a juste envie de chanter dans ce let's play. Bon, je vais me taire, je vais vous laisser écouter un petit peu. Hop, petit pont. On va la baisser. Voilà.
Petit chemin, vite. Ah, je me suis fait avoir. Dommage pour le perfect. Voilà. Là, ils m'ont entendu un piège, ils avaient mis un petit pont en dessous, mais c'était pas celui-là qu'il fallait toucher. Allez, on va monter. Ouais, voilà, parfait. Ok. On va remonter celui-là, parfait. Et descendre celui-là. Allez, on descend, descend. Mince, j'ai trop descendu. Je me suis fait avoir. Ok, très bien, avec les... J'aime bien les formes un peu rondes comme ça, c'est super cool. Le petit câble. Non, on peut se faire avoir, voilà. On relève le terrain. Et on descend. Là, je pense qu'on devrait pas tarder à arriver jusqu'à la gare. Voilà. En toute tranquillité. Alors, qu'est-ce qui va nous rappeler notre passé? Alors, peut-être la petite fille, on a eu un enfant. Non. La grand-mère qui tricote un pull pour le papy. On peut... Les bagages, non. La canne. Peut-être le monsieur qui lit son journal. Peut-être une nouvelle dans le journal qu'il aurait appris quand il était jeune. Ah non, il voit l'avion. Il voit la petite fille. Ok. Alors qu'avant, il la voyait pas. Donc j'avais bien raison avec la petite fille. Et voilà, notre jeune papa a eu un enfant. Enfin, notre jeune marié a eu un enfant plutôt. Il est devenu jeune papa. Et il lui a offert un bateau. Le gentil marin qui lui a offert un bateau à sa petite fille. C'est trop mignon. Allez. On passe à la suite. Ce jeu d'esprit est complètement addictif. On a envie d'y passer sa journée dessus. Ok, très bien. Alors, Roche-sur-Eau. Voilà. Le train s'arrête et on va pouvoir passer au niveau suivant. Je vais juste faire une légère transition, si ça ne vous embête pas. Une fois qu'on aura quitté le train. Voilà, petite transition. Alors, qu'est-ce que nous réserve ce prochain niveau? Déjà, on a fini du coup avec la gare. Et nous allons avancer. Oh! Une teinte de joli. Alors, c'est vrai, ces plantes, je ne sais plus comment elles s'appellent, mais elles existent en vrai. C'est cultivé, ce sont des champs très grands et très larges. Enfin, remarque, les champs sont très grands ou très larges si on a envie. Mais ce que je veux dire, c'est que ces plantes sont cultivées et elles sont magnifiques, que ce soit dans le jeu avec ces teintes de violet ou dans la vraie vie. Mais je ne me souviens plus. Comment elles s'appellent. Mais c'est magnifique ce genre de plantes violettes. Je vous conseille de vous renseigner, genre plantes violettes, cultivation, élevage, non, agriculture, plantes violettes, voilà. Et vous devriez trouver c'est quoi leur nom, mais c'est magnifique en vrai. Comme dans le jeu d'ailleurs. Allez, on avance. Du coup, pour le moment, on arrive à faire un petit peu le berger avec nos moutons. Ok, là, ils ont l'air de se retourner vers nous. J'ai réussi à les mettre sur la colline, très bien. Et ben, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer. Voilà, parfait. Ok. Alors là, ici, on peut bouger ça. Très bien. On peut aussi bouger cet endroit-là. Je crois avoir trouvé. Alors, on va essayer de se mettre ici. Voilà, parfait. On va ensuite lever ça, descendre ça, et lever ça. Voilà. Là, normalement, on va pouvoir passer bien là et revenir en arrière, comme il se doit. Voilà, comme il se doit. J'aimerais sur... Par contre, il y a un banc. Et comme on sait qu'on doit aller vers les bancs, eh ben, on va laisser asseoir. Comme dans le dernier niveau, il faut s'asseoir sur les bancs pour pouvoir admirer la vue. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Admirons la vue. D'ailleurs, qu'est-ce que je préfère avec les petits bateaux comme ça? Ah, on peut jouer avec comme ça. Et si je clique sur le navire avec l'onde là, comme ça? Ah, ça l'a réveillé, ok. Oh, le pauvre. Alors là, le dessin est tellement magnifique. On voit le bateau au loin qui s'éloigne, pendant que le père reste attaché à sa vie de famille et du coup ne peut plus quitter la mer. Je savais qu'il y allait avoir des petits ennuis qui allaient arriver. En tout cas, vraiment magnifique. Vous voyez, c'est juste une image, mais on voit son regard au loin, le fait que son enfant le tire vers lui et que lui un petit peu refuse, ne la regarde plus, ne veut pas venir. Et on voit un petit peu que c'est sur cette fête d'anniversaire, c'est que c'est un moment quand même très dur parce qu'il ne regarde même pas sa fille sur cette fête d'anniversaire, elle n'a même pas à penser à elle, tellement il veut aller vers le bateau. En fait, ces premières années, on a vu qu'avec sa femme, ça s'est très bien passé quand il était sur son bateau, mais vu qu'il a une vie de famille, il est attaché à sa vie de famille. C'est beau, c'est vraiment très beau comme image, avec cet horizon au loin. Et là, on est un peu enfermé avec cette seule entrée justement, c'est génial. D'ailleurs, vous voyez, ah j'ai mal vu, mais l'image avait une super composition. On voyait notamment, revenez en arrière, mais on voyait le monsieur, donc le vieux papy,
une barrière et un bateau. Comme s'il y avait une barrière entre lui et le bateau. Super bien pensé l'image. Super bien pensé. Je pense qu'il y avait encore d'autres choses à dire, mais en fait, là, l'image, pour le coup, il y avait plein de choses à dire. Donc, en termes artistiques, voilà, il y avait une espèce où il y avait deux fenêtres. On pouvait voir au milieu une espèce de pilier en bois qui faisait comme une barrière entre lui et le bateau. C'était super bien. Et donc là, il fait un peu plus triste, un peu plus gris. La pluie arrive parce que tout simplement, petit moment, petit souvenir un peu plus triste dans sa vie. Allez, il est temps d'avancer, mon petit papy. Il est temps de faire le point. Et de continuer à faire le point sur ta petite vie. Allez, avançons. Petit bug, très bien. Alors, avec ça. Ouais, c'est pas vraiment ce que je pensais, mais c'est pas grave. Oh, joli, j'adore la composition avec ces roches qui vont tac, 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 comme ça. Voilà, normalement, on peut monter ici. Non, reviens ici. Parfait. On va te monter un peu plus, toi. Il faudrait qu'on monte en haut. Voilà. Donc, pendant qu'on monte en haut, toi, il faudrait que, voilà, tu te mettes là. Ok. Pour le moment, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai trouvé comment faire. Ok, déjà, tu vas te mettre ici. Très bien. Voilà. Ensuite, toi, tu vas pouvoir te mettre là, là, ici, parfait. Ensuite, ici, avec ça, on peut faire quoi? On peut pas faire grand-chose. Voilà, et normalement... Non, par ici. Ok, ça, je peux pas faire grand-chose non plus. On va avancer ici, très bien. Ok, parfait. Très étrange, cette musique. Ok. Alors là, notamment, on peut pas faire grand-chose... Parce que du coup on est dessus. Mince. Très magique aussi. Je le dirai jamais assez, mais très poétique, très. Très mignon la musique, tout simplement. Allez, continue d'avancer. Et normalement, il devrait tomber là-dessus. Oui, voilà. C'est tellement bien la perspective parce qu'on dirait vraiment qu'il est loin et qu'il va tomber en dessous, mais non. Non. Ces effets de perspective, c'est. J'ai jamais eu un concept aussi bien. Jamais vu un concept aussi bien, mais. Bah il est trop bien ce concept, tout simplement. Voilà. Ok, normalement on peut monter ici. Alors là, il va falloir jouer avec les moutons. Premier défi du jeu, les moutons nous bloquent la route. Donc tant qu'il y a les moutons d'ailleurs. Ah, c'est les moutons, donc on peut les bouger de place. Ok. Il faudrait qu'ils bougent en fait, ces moutons. Qu'ils nous barrent un petit peu le passage. Alors, il faudrait qu'on revienne ici, parfait. Voilà. Vous les moutons, partez. Voilà, parfait. Alors, continuez d'avancer, nous on va se mettre là. Voilà, normalement ils vont sauter ici. Alors eux par contre, ils ont pas... Ils peuvent pas avancer, c'est étrange. Comme s'ils ne voulaient pas en fait, tout simplement. Hop, nous on va revenir en arrière. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Voilà, je vais mettre le pont ici. Et normalement, comme je vais être derrière, ils seront obligés de partir, ils vont avoir peur. Voilà, on va se mettre derrière. Très bien. Et on va les faire partir. Tous les moutons sont venus vers moi. C'était pas vraiment ce que je voulais à la base, mais ça a l'air d'avoir marché. Ok, parfait. Ensuite, on descend ça. Ok. En fait, on peut directement aller vers la carte. Vers le petit banc, comme d'habitude. Un petit banc pour réfléchir. Et je vous laisse un petit peu écouter la musique. Jusqu'à la vidéo. Jusqu'au souvenir, je veux dire. Donc, une musique un peu plus calme, mais avec un peu plus de tourment. Peut-être que, voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que cette musique, voilà, elle reste toujours très calme, très poétique, mais un peu plus rythmée, avec quelques touches, quelques notes de tristesse, qui un peu fait un décalage avec ce qu'on a déjà entendu avant. Donc voilà, c'est super intéressant, ça. Donc, pour exprimer ce sentiment un petit peu, voilà, de maintenant. Ah, ok. Les effets de lumière en pointillé. Magique, magique, juste magique. Il a l'air de programmer comme un tour du monde. Peut-être un tour du monde avec sa famille. Ça pourrait être sympa, ça. Bon, très bien. On verra du coup tout ça dans le prochain épisode pour en découvrir plus sur cette histoire. Sur cette histoire de vieux, tout simplement. J'aime bien dire ça, mais sur cette histoire de petit vieux, tout simplement.
Donc, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, on en aura plus appris. Voilà, on sait du coup que sa vie est de plus en plus triste à partir du moment où il a eu un enfant. Les enfants, c'est mal, non. Mais c'est un petit peu ça qu'il montre, c'est qu'il a perdu un petit peu sa liberté. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On rejoint ensemble la prochaine fois. Et allez, sur bye bye tout le monde.